Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Mara. Alors aujourd'hui, c'est vraiment avec une joie extraordinaire que je vous retrouve pour l'épisode 11 de notre fameux Let's Play Bioshock Infinite, ou Infinite, enfin bref, on s'en fout, qui est aujourd'hui commencé depuis de très longs mois. Je crois que ça va faire 2 ou 3 mois, je sais pas trop, mais qui est commencé depuis un bon bout de temps. Et puis on va continuer, on est à l'épisode 11, rappelez-vous, on avait fait le gunfight, tout ça. Je me suis bien remis dans le bain parce que ça n'avait pas sauvegardé le fait que j'avais fait le gunfight qui était ici. Du coup, je me retape le gunfight. Je viens de me le retaper. J'ai tué tout le monde pour être bien bien chaud. Et on est parti pour voir ce qui va se passer après. Ouvrir ça. Pour vous résumer plus ou moins précisément ce qui est passé durant les derniers épisodes, on est en changé d'univers, tout ça. On a Monsieur Comstock, on a découvert qu'il utilisait des chansons pour dresser son dragon de Skyrim, vous vous rappelez. Si vous n'avez pas vu dans ces épisodes, je vous invite à aller les voir. Franchement, ils sont plutôt pas mal, je trouve. J'ai pas regardé il n'y a pas longtemps. Bon, c'était pas génial parce que j'avais pas forcément autant d'assurance à l'oral que j'en ai maintenant. Mais ça se laisse regarder, franchement, c'est vraiment pas mal. Voilà. Hop, envoie-moi ta pièce, Elisabeth. Je t'avais oublié. Ça va bientôt faire un mois que j'ai pas tourné, donc je me rappelle plus trop. Je tourne le 1er mai. Les LG, je les tourne le 1er mai. Et on est le 29 mai. Je vais essayer de vous le mettre un peu rapidement, genre demain ou après-demain. Désolé si je faillais à ma mission. Je verrai. Fallait pas que je vienne ici. J'ai fait tout ça pour rien. Enfin, pour rien entre guillemets. Moi, je croyais que je vienne ici, disons. Bon, bah écoutez, tant pis, on ressort. Où dois-je aller? Ok, faut que je prenne l'air au train. Et après. Eh, je suis con, moi je crois. Ah oui, je dois sûrement aller là. Là. Voilà. Je vais prendre une munition pour le lance-grenade parce que je l'ai vu là. Là, c'est là. Elisabeth, c'est fait. Ah, en fait, c'est bon. Voilà, bonhomme. Et c'est par là, je crois. Non, je sais pas. Et ouais, la flèche. Ah, il faut remonter sur l'aérotrain. Mais j'ai un boulet, moi. Attends, c'est demi-tour là. C'est du demi-tour. Ouais. Ok. J'ai du mal à voir. C'est un peu chaud parce que c'est du vert et que tout est indiqué en vert. Ok, attendez, c'était là. Ah, c'était là. Attendez. Dis, je vais aller par là. D'accord. Waouh, je suis vraiment paumé. Attendez, on va ralentir. Ah d'accord, c'est là. Ok. Tu peux jeter un coup d'œil? Allez où? Ouvre-la. Voilà. À la boutique. Ce que tu m'as demandé de faire. Évitons de parler de ça. Est-ce que cette chose t'a fait du mal? Ah oui. Si jamais elle me rattrape, c'est la mort, Monsieur D8. Ça y ressemble, mais je ne vois pas la différence. Oh. Ma pauvre choupinette. Je veux dire à maîtresse? Non, je peux pas utiliser ça. Bon, pas. Allez, des mendiants. Reclaim for the people of Columbia. Reclaim, c'est genre des protestations pour le peuple de Columbia. Waouh! Qu'est-ce que c'est? C'est un tonic? Ah, c'est un tonic. Waouh! J'ai vu que ça fait retour à l'envoyeur. Mais à quoi ça sert? C'est pour envoyer l'attaque. Waouh! Ok, alors. Ah, d'accord. Ok. Un bouclier. Tout simplement. Qu'est-ce qu'ils vendent? Ouais, pas mal. Moi j'ai de la thune, alors autant que. Hop. Non, pourquoi j'ai acheté ça? J'utilise pas de carabine, moi je suis con. Alors, ah, je crois que c'est ça que j'utilise, moi. Non. Ah, c'est ça, moi. Canon rafale. Ouais, c'est ça. On est parti. Hop. Merde, j'ai peur. Bon, écoutez. Ouh, ça, c'était beau. Il est où? Il est là-haut. Tu viens de recevoir un email. Désolé, je viens de recevoir un email. Vous entendez ma magnifique voix qui me dit à moi-même que tu viens de recevoir un email. Si ça te dérange, je vous conseille. J'irai le. Ça me leur demande. Enfin, me refaire. Et ben voilà.
Il est mort, le sniper. Prenez ça. Mais qu'est-ce qu'il a foutu là? Bref, allez, on y va. Hop. Allez. Il faut que je regrouille un petit peu le rythme des vidéos là, parce que on est descendu à une par semaine, alors que c'est pas beaucoup pour moi. Moi j'ai plutôt l'habitude d'en sortir 2-3 en moyenne, hein, je sais pas ce qui m'arrive. Je suis peut-être un petit peu beaucoup de choses à faire en dehors de YouTube. Du coup j'ai pas trop le temps et puis pas trop la motivation. Mais enfin c'est pas des histoires de motivation en général, hein, c'était les dernières semaines j'avais un peu d'autres trucs à faire, d'autres trucs à penser. Donc excusez-moi si les vidéos fournies n'étaient pas de la qualité que vous espérez ou alors de la quantité que vous auriez souhaité. Voilà. On va essayer de reprendre un rythme de 2-3 vidéos, 2 vidéos la semaine et une le week-end, ça peut être pas mal, je trouve. Je vais passer le voilà. 2 vidéos la semaine, une le week-end, je trouve ça pas mal. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Même si c'est vous n'êtes pas beaucoup les plus, il y a Monsieur Descente, je sais qu'il le suit. Il y a Monsieur Yellow Zero, je sais qu'il le suit. Et puis, c'est tout. Hein. Il y a peut-être d'autres gens qui le suivent, hein, je vous à vous. Si vous le suivez tant mieux, mais laissez des petits commentaires pour que je sache que vous suivez. Et si vraiment ça vous a plu, pardon, si vraiment cela vous a plu, bah mettez un petit pouce vert, c'est encore mieux, voilà. Je vous force pas du tout, hein. Là, vous me connaissez. Les pouces verts, j'en ai un peu rien à foutre, mais bon, ça me fait juste que quand j'en vois, ça me fait juste plaisir. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Vraiment joli joute. J'avais oublié qu'il était si beau ce jeu. Ah, c'est la même comme ça. Comme Stock House. Waouh, là j'étais pas si c'est le boss final. Parce que ça va, hein, franchement, c'est le boss final. Le jeu aurait une durée de vie pas énorme, mais plutôt pas mal. La maison de Comstock est droit devant. D'accord. C'est vrai que c'est tellement bien gardé en fait. Oui. Quoi? Elle va mettre sa main, ça va ouvrir. Madame Comstock, ah non. Quel plaisir de vous voir. C'est aimable à vous de nous rendre visite. Surtout après votre mort tragique et cruelle, voilà 19 ans. Madame Comstock. Cette machine me confond avec ma mère. Ah d'accord. Ah en plus ils ont même ADN logiquement. Ah. Ah non. Seriez-vous souffrant? Ça ne marchera pas comme ça. Moi je crois que si. Ta mère est morte, Elisabeth. Oui. Et il est temps d'aller me recueillir. Oh non, putain! Ah, c'est gore s'ils prennent sa tombe. Ah, c'est chaud s'ils prennent sa tombe et qu'il la ramène pour mettre sa main. C'est chaud quand même. Memorial Garden, c'est les gardiens de la mémoire. Enfin, les gardiens de. Les gardiens, n'importe quoi, moi. Les jardins, enfin, ouais, de recueillement, quoi. Ok, donc ça doit être là-dedans, hein. Je pense que c'est comme ça qu'ils renomment le cimetière. Voilà le cimetière où voilà. Ma mère est enterrée. Hey, j'adore le marteau frère. Ouais, c'est marrant. C'est le mec qui est sadique avec son personnage. Ok, donc ça c'est le cimetière. Ouais, je savais bien que c'était par là. Parce qu'elle doit avoir une jolie tombe. Où est-ce que tu vas? Venez. Tu peux me dire ce qu'on cherche? Allez, bah sa mère idiot. Allez, tiens, on va passer au pont. Elisabeth. À vos ordres. Allez, soyons fous, on passe au pont. C'est où là? Ah quoi? Bah, ça sent le gunfight. Ça sent le gunfight. Ça doit être là, voilà. À Warledge. Ouais, c'est là. Hop. Vas-y. C'est fait. Ah, c'est la musique des champions. Écoutez. La tombe de ta mère. Elle est conservée dans une chambre hermétique. Elle l'a enlevée. Ses empreintes nous permettront d'entrer chez Comstock. Mais elle c'est une mère qui abandonne son enfant ne mérite pas énormément de compassion. Prends le temps de réfléchir à ce que tu dis. Voilà. Vous allez ouvrir la porte ou vous préférez que j'y aille sans vous?